Écoute ça, écoute ça. Gabian Musique Locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Nous n'agadions et nous n'avons bien sûr des invités. Là aujourd'hui, nous reçoit Nise et Angélique. Bonjour Nise. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, elle est trop mignonne la petite Angélique. C'est une fille? Oui, c'est ma grande fille. Une grande fille. Six mois. Qu'est-ce qu'elle raconte là-dedans? Là-dedans, ce qu'elle raconte, c'est l'histoire de mon petit frère qui est parti faire une formation, donc David. Mm-hmm. Il va te faire une formation en métropole et puis le coup de blues, quoi. Où ça va là-bas, où pense la Réunion, où pense la mer, la montagne, voilà. Où ça qu'on retrouve là-bas, les pas ça qu'on retrouve c'est ici. C'est pas pareil. Donc, voilà. Si on est loin, il était loin, et m'a toujours dit comme ça, la Réunion, il bouge pas, ça inquiète pas, il est en là-haut. Et prends courage, forme à haut là-bas, et après on revient. Nous écoute Ali, puis après nous va essayer de mieux connaître à haut. Voilà, merci. Si moi elle est loin, on sera toujours dans mon cœur. Même si moi elle est loin, moi n'aura plus jamais peur. Même si moi elle est loin, on sera toujours dans mon cœur. Même si moi elle est loin, moi n'aura plus jamais peur. Bonjour monsieur, bonjour madame, tout le vent de fer, la fine fanée. Moi elle est pas molle, moi elle est pas mal, mais moi là pour regretter. Ma raconte à d'autres comment rouler, tout bord et tout bonne qualité. Seul tu vas comprendre pourquoi il pleure. Voilà, c'est donc la voix de Nise. Très belle voix, Nise. Merci beaucoup. Même si moi, elle est loin. Voilà. Alors, Nise, ben, nous aimerions connaître un petit peu donc, de parcours. Hein, depuis quand on la commence à chanter? Écoutez, ben, depuis mes petits, dans la chambre, avec maman, ouais. Sous son oreille, tous les jours. Sort de l'école, lance le sac à terre. Et puis, enfermé dans la chambre et chanter des chansons comme Lara Fabian, Céline Dion. Et puis, mes copines d'école, pareil, connaissaient que me chanter. Donc elle se dit, Denise, dans une émission de télé, là, elle appelle Fille Rouge, ben, elle nous inscrit là-dedans. Elle dit, ben, pourquoi pas, mais elle a un petit peu peur face aux gens. Elle a toujours chanté dans ma chambre, fermée, et dans la famille. Donc elle a chanté devant tout le monde, ouais. Voilà. Et elle dit, maintenant, on sort pas devant la caméra, pas grave. Donc le monsieur là-bas, il arrive, il filme à moi. Donc il y avait deux personnes, une pour la lumière, une pour la caméra. Et ma copine, que t'es là pour encourager à moi. Ma main était trente, j'ai calé le micro sur mon tombe pour pas qu'il bouge. Donc le monsieur pour rassurer moi dit mais non, il y a juste toute la Réunion qui vous voit, c'est tout. Ah en plus. Donc ma chante Billy pourvu que tu aimes. Ah Céline Dion. Céline Dion. Donc Fil Rouge, donc elle avait des démouristes qui l'avaient vu à moi ce jour-là dans l'émission. Et elle a dit, ben, c'est une chanteuse qui pourrait aller un petit peu plus loin. Elle m'avait 16 ans quand elle a commencé à chanter. Et puis, ben, quelqu'un a vu à moi chanter dans la télé, elle a appelé à moi. Elle a dit, est-ce qu'elle intéresserait à moi de venir faire les chœurs, chanter pour un dîner dansant. C'est bien chouette. Donc, elle a commencé le parcours artistique comme ça. Et puis, pareil, le producteur de Kim Jamel, que l'avait vu repérer le petit groupe que l'avait joué dans le dîner dansant, a dit, ben, j'aimerais que le groupe se forme pour accompagner Kim Jamel en live. C'est une chaîne tout compte fait, l'enchaîner avec la télé. Alors après l'histoire de Kim Jamel. L'histoire de Kim Jamel. Comment ça l'a fait après? Ben on a fait toute, on a fait deux ans avec Kim. Mm-hmm. Donc on a fait toute la Réunion avec le groupe. On avait Michine Picot, Jeanne-Marie Blancourt, on avait Michel du groupe comme Zod dedans. Donc, il y avait Pascal, il est décédé maintenant, donc grand batteur hein, de La Réunion. Et puis, le chemin s'est construit. Donc, super expérience de scène, parce que Kim Jamel, c'est une artiste aussi, où visuellement, il y avait à voir. Et puis, professionnellement, il y avait la voix aussi. Quoi. Et voilà, donc là, tout a commencé. Puis le groupe a décidé de continuer quand même sa route à part. Donc il s'est appelé Run Flash et avec des nouveaux titres. Donc on a fait pareil, La Réunion, mais après chacun a fait un petit peu sa vie. Moi, il fallait bien que j'ai fait la mienne aussi, mais j'étais encore jeune, 18 ans, donc l'école. Professionnellement, il fallait que
lui trouver un travail, parce que mon papa a toujours dit la musique elle est bien, mais il croit qu'il faudra ou changer un peu, quoi, il faut travailler un peu. Donc voilà, donc on a décidé de construire ma vie professionnelle. Et puis, elle a eu la naissance de ma petite fille entre temps, donc l'arrivée. Donc il fallait faire grandir elle, et aujourd'hui, même il revient. Elle a décidé d'accompagner moi dans ce projet-là. Donc elle y aime la musique, elle y chante. Donc on y souhaite qu'elle y part un peu plus loin aussi, et puis qu'elle y commence tôt. Si elle y souhaite, donc maman, papa sera toujours là pour accompagner elle dans ses projets. Bah justement, là, on la amène deux CD. Alors, un CD de haut, donc de Nice, et une compile. Oui. Alors, depuis quand a été enregistré ce CD-là? Alors, le CD Nice Réunionnaise. On va dire qu'il y avait des morceaux dessus déjà préparés il y a même 17 ans de cela. Mm-hmm. Donc, des chansons qui ont été écrites il y a 17 ans. Il y en a d'autres 14 ans, et puis il y en a d'autres qui ont été créées pour l'album. Donc, t'es à ton en main, quoi. C'était moi qui n'étais pas prête, mais aujourd'hui, me sens moins plus forte et me sens moins un peu plus en confiance face. Moi, je ne tremble plus trop devant le micro. Mm-hmm. Mon cœur bat toujours sans allure, mais ça, mes croix n'y enlèvera jamais. Non. Mais il n'y enlèvera jamais, mais voilà. Mais après, quand on est sur scène, on a un réel partage avec les gens et c'est ça que m'y aime. C'est ça que m'y aime et les gens, ils viennent, quoi. Ils viennent voir où, ils font toujours plaisir. Et moi, c'est ça que m'y aime sur la scène, c'est ça que m'y aime comme ça chante devant les gens. Mais ça va au-delà, mais ça touche les gens. Donc, il ne faut pas que les gens ont la peur comme ils viennent, parce que m'y aime toucher, il est tout tactile. Et m'y aime comme elle vient chanter avec moi, elle est plus chaud et chaleureux. Alors, m'y voit que Nena a un titre dessus, Maman, Papa. Angélique a chanté là-dessus ou pas? Oui, ben, elle veut participer sur l'album. Donc, c'est moi qui ai écrit Maman, Papa. Mais pour en honneur de mon papa qui est décédé en 2010. Donc tout a démarré aussi un petit peu de là, c'est-à-dire mon papa te croit beaucoup en moi, il te croit beaucoup en mes qualités de chanteuse. Et c'était moi qui avais un petit manque de confiance en moi. Et papa dit, mais ben, où est-ce que tu chantes? Pourquoi tu ne chantes pas? Fais pas un album. Il dit, papa, ben, m'a pas envie, mais il veut chanter. Souvent, il chante pour où? Il chante pour où? Et après, ben, il est parti en 2010, il a fait moi quelque chose. Il m'a dit, papa a toujours cru en moi, il est vrai que m'a jamais fait quelque chose pour montrer à lui que moi est capable. Mm-hmm. Il a fallu qu'il était fort pour dire, Denise, la vie l'écoute. Donc, fais quelque chose pour laisser un petit bout de quelque chose de où ici pour mes enfants demain. Demain, si Angélique grandit, il dit, ben maman, on a fait ça. Mm-hmm. Et après, change à elle de porte à lit ou pas porte à lit, ou bien les gens qui apprécient Nice. Ben de porte à main, là où tu veux, en métropole, ailleurs, à La Réunion même, fais le tour, quoi. Donc moi, m'y aime chanter, et si de moun y aime à moi, ben m'y aime à zot. M'y aime même ça que de moun y aime. Angélique, tu veux participer, dis maman, on a 10 ans, m'y aimerait venir accompagner à où, ben, un petit peu se me dire, après faire les cœurs, mais dit faire du cœur, c'est répéter, recommencer. Elle avait 9 ans, mais je crois qu'on a commencé à faire l'album. Elle a fait causer. Voilà, donc voilà, elle fait causer. Ben, on a fait causer, sinon elle est timide. Alors, raconte-nous. Alors, la première fois où elle a chanté avec maman, comment elle était? Ben, ouais. J'étais un peu stressée, j'avais un peu peur. Ouais. Parce que je devais tout le temps recommencer, voir qu'est-ce qui était pas bon, qu'est-ce qui était bon. Et voilà, ça me faisait peur, j'étais stressée. Quand ça la donne à l'envie de chanter, c'est maman? Le fait de voir maman chanter. Oui, je me suis dit, ben, maman chante. Ben, moi aussi j'aime bien chanter, donc j'aimerais bien participer. Donc là, où chante dans le titre Maman Papa, où chante aussi? Oui. Nous écoute Ali. C'est parti. C'est parti. Très belle chanson, hein, Maman, Papa, avec la voix d'Angélique et sa maman Nice. Dis-moi, Nice, il veut dire quoi, au fait? Est-ce que c'est une signification ou bien c'est Nice, sa prénom? C'est Nice, petit langue gâté, on va dire. On m'appelle Nice à la maison. Mm-hmm.
Donc, quand les gens ne veulent pas dire Denise, ben, ah, c'est, on appelle Denise, ben voilà. Et ben justement, on parle de maison, là. Comment on fait pour concilier, ben, vie, on va dire, artiste, avec une vie familiale? Ben, écoute, quand tout le monde est baigné dedans, ben, tout le monde s'entend. Le mari est baigné dedans aussi, alors? Le mari, ben, il a fait un album aussi qui s'appelle Chris Love. Donc, il a fait, lui, il est ben, d'origine antillaise, il a fait du zouk. Mm-hmm. Et ben, le fait qu'il accompagne moi dans mon parcours aussi un peu musical, donc ben, il s'y est mis avec un petit peu d'obligation au Sega. Mais il aime le Sega. Il aime le Sega. Il voit Liam Bayer. On aurait aimé faire quoi ça? Il aime le Sega, il adore le Sega. Il est vrai que ben, il vit à La Réunion depuis plus de 20 ans, on va dire. Que, et ben, il est dommage d'être à La Réunion et de ne pas écouter la bien musique sûr. Du pays. Donc, lui, il vit avec une réunionnaise. Son enfant, on va dire, qu'il est d'origine médecine, antillaise voilà. et réunionnaise. Donc, il faut bien que, voilà, il s'écoute et il l'écoute et il s'y est mis. C'est-à-dire, mm-hmm. il essaye de faire la musique réunionnaise avec ce qu'il a. Donc, Ali, son nom d'artiste, c'est Chris Love? Christian. Christian, d'accord. Ouais. Et ça, nous peut trouver sur Internet ou pas? Oui, je pense qu'il peut trouver. L'album, il existe, mais je crois qu'il doit être rare maintenant, parce qu'il y a très très longtemps. Très longtemps. Il doit être en 98-99 que l'album Chris Love est sorti. Et voilà. On a fait une recherche la semaine. Alors, mais donc, sur l'album que on l'a amené, là, il a écrit quelque chose dessus ou pas? Mais il a écrit Réunionnaise. Conseil raconte là-dedans. Conseil raconte là-dedans. Alors, on va dire que c'est un peu... Un cri comme quoi il faut nous les fier de ce que nous l'est. Il faut que de monde quand il arrive la Réunion aussi, ça qui vient dehors, et ben il vient pas juste trap soleil, la montagne, les oiseaux, voilà, on a un peuple qui vit. Il y a un peuple à la Réunion qui vit, qui a une histoire et qui a une musique qui s'appelle le Sega et le Maloya. Donc on vient pas juste la Réunion pour soleil, la mer. Il y a un peuple, il vit ce petit bout de galet là, et il a une culture quoi. Et viens intéresser à vous un petit bout de ça quoi. Christian, c'est où l'a écrit? Voilà. Quand ça l'a poussé à écrire ça? Enfin, il fait 21 ans, il habite à Réunion. Moi, les zoukeurs, à la base. On a écrit pour 2-3 mots, dont David Ramène. Mais mon madame, les chanteuses. Et il observe que ces dames en ont la valeur, mais le monde, il traverse la Réunion, il écoute et il n'arrête pas. Donc, il me dit, ben, on a cause ensemble un petit peu. Explique à Zot, la Réunion, et pas seulement les. Les plages, les montagnes, les belles femmes, les gens passent des vertes et des pas mûres. On en a aussi une affaire, il appelle la culture. Et la culture réunionnaise, c'est justement ce mariage, ce métissage, ce mélange de tout ce qui va bien pour le monde. N'oublie pas, la Réunion, c'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Alors, ce morceau s'adresse justement à tout le monde. Quand on arrive à la Réunion, quel que soit là où sort, respect. Voilà. Chapeau, c'est un très beau message, hein, il faut passer c'est là. C'est un très beau message. Et puis, franchement, voilà, beau morceau, bon arrangement, et puis les paroles, voilà. Mais fier de lui quand il a écrit ça pour moi. En tout cas, les gaillards, franchement, ce morceau-là, il sent aller loin, c'est de pousser Ali. Il y en a d'autres qui arrivent, tout donc c'est Réunionnaise, on va dire que c'est le premier morceau qu'il a pu écrire pour l'album Nice Réunionnaise. Mmh. Et puis il y a d'autres personnes qui l'ont écrit sur l'album, dont Jean-Louis Beg, où on l'a enregistré l'album chez lui, Jean-Pierre Denain, et donc la Christian, et moi qui l'a composé sur l'album. Alors, quand on l'a écrit hein? Maman écrit Maman Papa, Six mois les loin, Roméo, il en manque un. Qu'est-ce qui inspire en général quand on écrit? Eh bien là, c'est un petit peu ma vie, hein, ma vie que m'a écrit un peu. Donc Maman Papa, c'est mon histoire, on va dire que c'est une histoire d'une petite fille qui grandit et qui perd ses parents et qui doit construire sa vie un jour et puis elle doit continuer à vivre malgré que ses parents l'ont partie.
Roméo, on va dire que c'est mon petit frère toujours, l'inspire à moi, David. Donc Roméo, c'est un peu un tanguy qui reste la case maman un petit peu longtemps et puis il a du mal à quitter, hein, parce que manger maman, elle est bon, il trouve pas une petite madame comme maman, il ramène son petit café au lit, madame comme elle est, comme ça, elle trouve plus. Madame comme ça, elle trouve plus. Et il m'aime bien cette parole, un jour, il m'a dit, mais un jour, il quitte mon maman, il faut lui trouver une petite madame comme mon maman. Il m'a dit, David, il trouve plus madame comme ça. De nos jours, on voyait un petit peu chier. Tu t'as fait au lit, on va dire au début, mais après. Après là. Ça, au début, si de temps en temps, ou si on met pas son petit café au lit, là, ben. C'est un petit peu dur. C'est un peu dur. Dis-moi, on l'amène aussi une compile, là. Oui. Alors, c'est qui l'a fait cette compile, là? Alors, la compile, c'est la rencontre avec l'année dernière, ma rencontre Dominique Maillot, donc sur la Fiesta Mauricienne 2013. Et puis les deux, trois, enfin, les musiciens de Maurice aussi, donc avec beaucoup de talent. Et cette rencontre-là a fait qu'elle a eu un partage, donc une musique de l'océan Indien, on va dire. Donc il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. C'est-à-dire, elle a dans lui habite un petit galet, mais ce petit galet-là n'est pas tout seul dans l'océan Indien. Il y en a Maurice, il y en a Rodrigue, il y en a Chechel, il y en a Malgache. Il y a quand même des gens qui aiment la musique aussi, qui vit pas tout seul, quoi, nous l'est à côté, allons, ça y mettre la main ensemble et trouver une petite affaire à bouffer. Donc, rouler volume Sega volume 6, et peu les... rouler Sega volume 6, on va dire que Dominique Maillot a réussi à réunir les artistes de La Réunion dessus, les artistes de Rodrigue et de Maurice. Ben là, Out CD, Nice et la compile étaient enregistrés dans le même studio? Non. Donc là, Nice réunionnaise, c'est chez Jean-Louis Beg, à La Réunion, dans les hauts de combien là, Saint-François. Les hauts de Saint-François, c'est un studio analogique, le seul studio analogique de La Réunion, c'est-à-dire avec un son bien gras qu'on ne retrouve plus, mais qui sera de retour bientôt, c'est le nouveau son. Et preuve en est, c'est que de moins ils sortent la Jamaïque, pour y enregistrer dans ce studio-là. Voilà, tellement que le son est bon. Ouais. C'est le son live. D'accord. Et qui ça l'accompagne à où alors pour ce CD, pour le CD? Alors le CD déjà c'était une volonté mais forte de moi quoi. J'ai dit 2012, voilà, je vieillis, je ne rajeunis pas. J'ai une voix, on va dire une voix qui reste à exploiter. Donc m'a dit m'y produit mon album, c'est-à-dire m'y attend pas, m'y compte pas sur un tel. Elle a connu des gens dans mon parcours de musique, donc Michine Picot, au cœur de Michine Picot, David Ramen, Nana Karine Chosaki, Nana Elodie Cuvelier, Nana Laureline Vaudran, il y a Leila Beg, Nana Annick Beg, même des hommes qui ont fait les chœurs, donc Christian qui a fait les chœurs, Jean-Pierre qui a fait les chœurs, Jean-Louis Beg qui a fait les chœurs, donc. David Smith qui est au sax, m'a peu de diète parce que m'a oublié. Oui, on a peu d'oublié de personne. On a Harry Périgone aux percussions. Donc, c'est une expérience que m'a voulu vivre. C'est-à-dire, personne n'a été imposé de faire quoi que ce soit sur l'album. C'est-à-dire, la musique était là. C'est-à-dire, la musique. C'est qui a fait la musique au fait? Ben, les gens l'ont ramené ce que Zotti Gay fait. D'accord. C'est-à-dire, ça n'a pas été imposé. Oui. Jean-Pierre, là, il y a un jeu piano. Ben, elle m'a dit, écoute, sur Réunionnaise, j'ai dit, Denise, je peux mettre un petit affaire dessus. Donc, le piano fou, Jean-Pierre Denin, hein. Ça, c'est Jean-Pierre Denin qui l'a, on va dire, qui s'est lâché. Mm-hmm. Il a senti le morceau comme ça, il a là, comme il l'a fait là, comme il, voilà. Pareil pour Smith, David Smith, il écoute le morceau, si moi, il est loin, et il me dit, allez, voilà, ou gain jouer sax. Il me dit, mettre toute patte dedans, n'y impose pas aucune mélodie. Larguer mon frère, larguer, largue la sauce, comme il dit. Et comment ça se fait David Ramen? Il est à l'île Maurice, il est venu à La Réunion? David Ramen, même comme il connaît depuis, ben, Christian, le auteur-compositeur pour lui. Donc, après, nous avons fait quoi, Christian? Ben, donc, il a écrit des chansons pour David, et il vient régulièrement à La Réunion pour venir chanter. Donc, et justement, il chante une petite chanson sur la compile. Sur Nice réunionnaise. D'accord. Donc c'est une vieille chanson, mais de très loin de La Réunion. Il appelle La Rivière Tannier, de l'île Maurice. La Rivière Tannier, mais le premier, hein. D'accord. Pas le lot que l'a été. Pas par la fille, là. Pas par la fille. D'accord. C'est un vieux morceau. D'accord. Ça s'appelle une balade.
Donc chantée par moi au début, parce que la chanson existe à La Réunion, ça s'appelle La rivière Saint-Gilles de La Réunion, mm-hmm. mais n'a pas d'auteur ni compositeur. Ça m'a chanté en colline de vacances. Et ouais. Avec 7 ans, bah, la chante, comment il dit Angélique, chante avec moi. Chante un petit coup. Hein. C'est en passant la ravine Saint-Gilles, moi la trouve un vieil gramoun. Mine mon aliquet, li fait la, li dia moi la pêche poisson. Ouai, ouai, mon enfant. Au travail pour gagner son pain. Ouai, ouai, mon enfant. Au travail pour gagner son pain. Bravo, le tableau. Thomas Rougnier, un petit coup de là. Alors, comment ça se fait où l'a écrit pour David Ramen? Raconte. Wow. Comment a été fait la rencontre avec lui? Alors d'abord, Mité fait deux, trois sons avec un gars qui s'appelle Freddy de Majunga. Qui fait Zouk aussi dans le temps, ça date, hein, ça fait des années. Et un jour, il dit à moi, mais Christian, attends, mais tu es bon toi, pourquoi tu composes pas? Bon, on avait composition à case, mais on a ramené trois, quatre compositions. Et il a présenté à moi un chanteur, un petit jeune, t'es tout maigrichon. Mauricien, David Ramen. Et on avait dans les stocks un morceau Je t'aime un peu passionnément. Ah ouais, voilà. C'est ça, toi, Lisa. Et ça a démarré sur ça, et puis ma trouve la voix du gars, t'es au top. Je me dis, tiens, ben voilà une chanson qui fera très bien l'affaire. Et puis. Ma découvre David Ramen avec cette chanson-là. Ben, c'est l'époque. Comme ça qu'il est né voilà. En zouk. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. D'accord, donc c'était où l'était dit à tout ça? Ouais. Et après, bon, d'autres titres, enfin plusieurs autres titres pour David. Mm-hmm. Timoula. Oui, Timoula, et puis il y a eu la... enfin, il y en a... Oui, voilà. Ah, mais en tout cas, franchement... C'est pas vrai, ça aussi à où? Oui. Eh ben, franchement, punaise, mais oui, écrit bien. Et donc David, et puis bon, David, c'est le petit frère, c'est un petit frère. Donc quand il était de passage ici, Madjali m'a besoin de du mauricien pour mettre une patte mauricienne dans une chanson. A dit moi banco tout de suite. Il a fait les chœurs en plus, etc. Sur Réunionnaise, voilà, enfin un travail du pro. En tout cas, on compose que des tubes. Ouais. Pas vraiment. Presque. Non, en tout cas, pour moi, écrit, oui. Il écrit bien. Achète l'album. Oui, entre autres, 06, 92, 85, 86, 10. Tout petit festin, tout petit communion, tout baptême. Nous, les là, ne viens mettre l'ambiance. Inquiète pas. Et m'y aime ça surtout, parce puis, que c'est vraiment le partage. Hein, c'est là, le partage. Les... Et puis, Nice demain, à Saint-Joseph. Et puis une petite fille qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle Dana. Voilà. Donc là, c'est plusieurs artistes qui sont présents, dont Dominique Maillot, Dominique Barré, et plein d'autres artistes. Et plein d'autres, Guy Noël qui a chanté aussi un morceau réunionnaise. Voilà. Et à moi pour le mot de la fin, les simples, hein, Maloya, elle est belle. Ces gars, elle est super. T'es créole la Réunion, t'es mitière d'autres sardines avec mon fond de cœur. Mettre ensemble, donner aux autres la main, et puis la solidarité, c'est ce qui fait avancer les affaires. Alors, parce que les vrais causes antilles, ils fonctionnent énormément, ça. Hein, la solidarité entre artistes, ils fonctionnent énormément entre les îles d'à côté. Parce que vous n'avez pas juste la Guadeloupe, vous avez la Martinique, vous avez quand même la Guyane à côté. Donc tous les artistes qui arrivent à regrouper les autres, donnent la main ensemble et pour créer des grands, on va dire des grandes scènes. Voilà, que par région, mais par petites îles à côté. Donc, mon rêve. Mon rêve. Bon, déjà, les plus ou moins en formation, tipa-tipa, quoi. C'est de réunir aussi bien des musiciens mauriciens que des musiciens réunionnais, que des musiciens séchellois et autres, pour faire la fusion, la synthèse. Aux Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et une équipe de cuivre de la métropole ont réussi à créer Cassav. Tout le monde est dans ce Cassav. Bon, Cassia,
il balance dur sur Maurice. À La Réunion, n'a point un groupe, ils sortent du lot pour donner le paquet. Alors, la solution, elle est simple. Maurice réunit ensemble, travaille ensemble, la fusion peut donner quelque chose qui va devenir international. On est ensemble. Merci. Peace. Voilà, une page Facebook. Nice officielle. Alors, le mot de la fin, quoi vous voudrez rajouter? Le mot de la fin, donc, m'y souhaiterais que... que Angélique aussi continue dans cette lancée, Christian, à moins, voilà, m'y pète pas la force. Bien c'est sûr. Grâce aux gens que va suivre à moins que m'y pèdera pas la force et courage pour continuer.